Coupures intempestives d'électricité, factures jugées trop élevées, les populations sont très souvent mécontentes de leur compagnie d'électricité. Si vous constatez que par rapport à votre habitude, la consommation d'électricité, la facture que vous avez est élevée par rapport à votre habitude de consommation, la première chose qu'il faut faire, c'est de vous rendre à ces lieux pour poser une réclamation. Si vous n'êtes pas satisfait, vous venez vers l'ANARE. Aujourd'hui, l'instrument qui permettra d'entamer ce recours est désormais accessible à tous. Équipé, rénové, le point d'accueil des consommateurs a été inauguré ce lundi par le ministre du Pétrole et de l'Énergie, Adama Tunkara. L'émergence est une étape supérieure qui doit indiquer la marche de la Côte d'Ivoire vers une économie moderne et moderne, c'est-à-dire répondant aux standards internationaux. Dans une telle économie, chaque entité, État, opérateur économique, consommateur a des devoirs, mais aussi ils ont des droits. Et s'ils ne sont pas garantis et respectés, ces droits peuvent entraîner un déséquilibre préjudiciable au fonctionnement de l'ensemble de la structure. Une initiative saluée par les consommateurs. Souvent les factures viennent, on a de quoi dire, mais bon. On ne peut pas parce qu'on se dit, mais qui tu vas même, ça va aller où? Le point d'accueil qui a été ouvert aujourd'hui est une bonne initiative. Et la structure qui est en place actuellement est un peu juge et arbitre. Situé au rez-de-chaussée de l'immeuble ECI, l'ambition de l'Agence nationale de régulation du secteur de l'électricité, ANARE, est de disposer dans le futur d'un espace plus vaste afin d'accueillir le plus grand nombre de consommateurs. En espérant l'ouverture prochaine dans certaines grandes agglomérations du pays, d'autres points d'accueil consommateurs.